et à tous, nous nous retrouvons sur Maple Story 2 pour une petite vidéo découverte. Je ne connais absolument pas, je vais baisser un peu le son parce que ça me casse littéralement les oreilles. Je vais mettre ça à 25. Voilà, nous sommes sur un nouveau type de jeu que je n'ai encore jamais fait en vidéo. C'est un MMORPG, c'est tout ce que je peux vous dire. Qui se joue un petit peu en 2D, 3D, c'est un peu spécial. Je connais pas, comme je dis, pas trop hein. Par contre là je viens de voir que les couleurs viennent de passer au rose. Ça me paraît assez spécial hein. J'ai entendu dire d'ailleurs que le jeu était un petit peu avait une ambiance un peu bizarre. On verra. Donc on va rentrer dans le serveur Europe bien évidemment. C'est le serveur où je vais jouer. Vu que je suis en Europe hein, c'est pour éviter de dépenser trop de connexion. Sachez que par contre que le jeu est en anglais apparemment, d'après ce que je vois. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs vu, cru voir quand j'ai démarré le jeu. Enfin quand j'ai vu quelqu'un jouer au jeu aujourd'hui. Donc bon bah tant pis hein. On va jouer un magicien. Parce que c'est un petit peu mon type de perso. Et j'ai envie de changer un petit peu, de pas toujours de rester un soldier, comme on peut le dire. Donc on va devenir ce personnage là. On va attendre un peu. Voilà, alors là on a un guide. Ah oui d'accord, c'est le guide de création. Moi j'en ai un peu rien à faire. Donc oui c'est pour créer un personnage. J'avoue que j'en ai un peu rien à faire. Donc on va le créer. On va l'appeler pas Zori hein. Zoria. Ah ça a déjà été utilisé Zoria. On va mettre, on va s'appeler TH Zoria. On a parlé de des caractères spéciaux. Très bien, on va appeler ça comme ça. Voilà, ça a marché. Alors il y a des options. Alors, donc là, je peux détecter ma carte graphique. Là, on a des langages. Donc, vous voyez qu'on a anglais, germain et portugais. On a des régions, des voice. Pour l'instant, on n'a pas les contrôles. On peut pas modifier tout ce qui est son. Si, on peut un peu, mais on peut modifier un peu tout ce qui est graphisme. D'ailleurs, on peut afficher les FPS. Parce que je vois. Nous sommes en full screen à l'heure actuelle et ça utilise ma carte graphique avec le HDR. Le HDR qui permet d'avoir des bien meilleurs graphismes. Appli. Voilà, on a les FPS en haut en gros qui s'affichent maintenant. On va démarrer la partie. Je suis activement avec 60 images secondes pour ceux qui n'ont pas encore trop compris. Je ne connais absolument pas le jeu. Mais on va découvrir tous ensemble. Malgré le fait que du coup le jeu m'a l'air d'être assez compliqué à maîtriser. Donc on va voir ça lors de cette vidéo. Alors bon, c'est bien sympathique, mais les cinématiques sont en anglais, donc malheureusement, je ne vais pas aimer. Donc aujourd'hui, on va jouer qu'avec les flèches, qu'avec le clavier. Alors la souris, c'est, ouais, bon, on va activer ça. Comme pas de contrôle, enable. Alors, contrôle preset, enable gamepad. Ah, je crois que je peux jouer à la manette. Ah. D'accord, alors attendez, je vais essayer de brancher une manette. Si c'est vrai, c'est sympa par contre. J'avoue que ce serait sympa qu'on puisse jouer à la manette sur ce jeu. Je découvre tout autant de vous hein. C'est une vidéo bêta entraînement. Alors oui d'accord, j'en ai pas, non. Donc on va le désactiver. Voilà. Je vais connecter ma manette Xbox. On va voir si ça fonctionne, s'il la repère et qu'il la fait fonctionner. Voilà, je la connecte. Ça y est, elle est connectée. Yes. Alors, que fait le jeu? C'est bon, ça fonctionne. J'ai bien ma manette Xbox qui fonctionne. C'est ultra bien. Je vous avoue que c'est génial que la manette Xbox soit détectée et fonctionnelle sur ce jeu. J'apprécie tout particulièrement. Alors, d'accord, donc appuie sur A. Oh putain, mais ça a l'air génial ce jeu. Il a l'air vraiment génial. Alors. Ah, d'accord. D'accord. Mince. Ah, attendez. Voilà, je l'ai équipé avec le clic droit. Je comprenais pas. C'est un peu encore spécial, c'est une version bêta apparemment.
Et la touche Y, c'est pour se battre. D'accord. On a la liste de toutes les touches actuellement. Vous voyez, on le voit à l'écran. Ce jeu a l'air vraiment génial en vrai. Class, open your textbooks to... What's this? We're one student short. That's fine. Ça ne sert pas à grand chose de voir les cinématiques, c'est en anglais. Et puis concrètement, je suis là pour montrer et regarder le gameplay. Donc, bon, désolé pour ceux qui voulaient voir le gameplay. En tout cas, le jeu est très beau, hein, pour l'instant. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a autour. On est dans l'eau, actuellement. On peut se battre, on peut envoyer des boules d'énergie. Ah, sympa. Alors, qui tu es, toi? Caitlin, class president. Donc, c'est la présidente de la classe des mages. Si je comprends bien. Fallait lui parler. Chat 6. Hey Kate, are you late too? Alors ça veut dire hey, salut Kate, est-ce que tout va bien? Je crois. D'accord. Les informations, quoi? Bon, je connais pas trop. Je suis pas très bien en anglais moi. Vous lirez si vous avez envie. Perso, tant pis. Je ne lirai point. On va passer la cinématique. Et nous y voici. Nous devons parler à un autre magicien, d'accord, donc c'est toi. Hop là. Voilà, nickel. Alors. J'ai gagné 30 points d'XP, d'accord. Il y a une quête à nous donner. Alors. Alors. Il faut qu'on récupère des pages. Attends, mais le jeu a l'air vraiment sympa par contre. En tout cas, il est très beau aussi. Ça, c'est un détail, il est très très beau. On a réussi, on va aller avoir le petit plus grand-père. 70 points d'expérience. Ah et voilà, nous allons maintenant. Alors on est passé niveau 2. On va lui reparler. On va lire. Voilà. Il faut qu'on aille. Ah d'accord, je viens de comprendre. Son point d'expérience. Oh là, faut se battre. Nickel. Mince. Voilà. Ok. Oh, c'est stylé. Ce jeu a l'air vraiment bien. Ah, je sais pas trop ce qu'elle dit là.
Ah d'accord, elle va se battre contre moi elle. Là, j'ai eu un coup de lag du jeu là. Concentrer un minimum pour gagner. Elle envoie des sorts assez cheatés en fait elle. J'ai vu que j'avais des nouvelles d'autres compétences que je pouvais utiliser. Voilà. J'avais vu que j'avais des nouvelles compétences. On peut appuyer sur LT sur une autre touche et on peut invoquer des compétences bien spécifiques. Je touche tout sur touche B sans le vouloir. Quitte la salle de classe. Ah! On n'a pas cramé la salle de classe. D'accord. Asimov, It's Master. Ok, et eh bien on va s'arrêter là les gars pour cette vidéo sur ce jeu. On refera peut-être une vidéo la prochaine fois pour terminer je pense ce qu'on a commencé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui là on a commencé une petite quête sympathique. Je voulais vous expliquer qu'en plus si j'appuie sur ZL, j'ai soit la commande avec X. Donc l'espèce de griffe qui dépense des PM je suppose. Soit la commande avec C qui va me téléporter, qui là par contre dépense pas mal de PM. On le voit à côté de Ilf et Spirit. Et le X fait une sorte d'invocation. Alors j'ai attendu avec le botin avant de pouvoir le réutiliser ce spell. Mais qui permet d'invoquer une espèce de magie dans une zone bien précise. Enfin bref. Ça envoie du lourd, ce jeu a l'air vraiment pas mal. On a pas mal de compétences possibles et imaginables, on a la touche RT, on pourra sûrement équiper des stuff et autres. Et puis bah écoutez voilà, on se retrouvera je pense vendredi pour une vidéo sur Maple Story 2, on refera une vidéo dessus. J'espère que ça vous plaira, et puis sur ce les amis portez-vous bien, allez, bye bye tout le monde.